votre histoire avec la musique? Mon histoire avec la musique a commencé étant tout petit, parce que je me rappelle bien, mon père avait les 45 tours, comme on le disait dans le temps, et chaque matin, mon père, avant d'aller au travail, dès qu'il sautait du lit, c'est d'abord vers son 45 tours, il partait et il mettait les gros disques. Et chaque matin, nous, on écoutait la musique. Dans le temps, il était un fanatique de musique jazz, de Johnny Hallyday. Et aussi, il avait un genre musical vraiment, à chaque fois qu'il mettait sa main, il sautait du lit. Parce que c'était la musique de Dennis Pierre, Adjaman, Bob Marley, disons le reggae. Mais étant tout petit, je n'avais pas encore compris cette philosophie musicale. Mais j'aimais tant les sonorités à chaque fois que mon père mettait cette musique. Donc à chaque fois qu'on avait le comité de football, c'est nous qui animait par les voyants. Ça, c'était aux années 90-94, il me semble, au lycée, on faisait le voyau avec les autres. Bon, au fur et à mesure que le temps passait, on avait créé notre petit clan parce que ça venait avec l'avènement du hip-hop. Donc en 98, j'ai eu à écouter un artiste du nom de Kajim. Kajim. Vraiment, c'est celui-là même, je peux dire, qui m'a vraiment inspiré à faire la musique. Parce que quand j'ai commencé à écouter ces sonorités musicales, je me retrouvais avec le rap, je me retrouvais aussi avec le reggae qui m'avait bercé dans mon enfance. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre la chose au sérieux, au sérieux. Bon, je peux dire, j'ai un album de 12 titres que j'ai enregistré en 2004. Et tout dernièrement, j'ai un maxi single de 4 titres qui vient de sortir le 10 mai passé. C'est dans cette optique que j'ai voulu pour moi. Donc, je suis un panafricain, je lutte pour l'Afrique et aussi pour le monde entier afin de pouvoir valoriser nos cultures et notre savoir. Donc, oui, merci. Merci.